Aujourd'hui, nous allons à l'école dans Roblox et j'ai besoin d'avoir beaucoup plus froid. C'est un jeu super drôle où tu fais semblant de ne pas être malade pour pouvoir aller à l'école. Tu pourras même rencontrer une célébrité et même jeter une couverture géante devant le soleil pour avoir beaucoup plus froid. Tu vas devoir prendre des bains glacés, manger de la glace au petit déjeuner, je débloque la bonne fin où je transforme la terre en glaçon et même la mauvaise fin top secrète où vous apprenez la sombre vérité sur votre mère. C'est vraiment un jeu Roblox super drôle avec des fins complètement dingues que j'ai jamais vues. Est-ce que vous êtes prêts? On y va! Aujourd'hui, je vais jouer au jeu Roblox Need More Cold. Ah, et apparemment, c'est l'heure. Oh, attends, mais c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'Ariana Grande, elle vient à l'école. Ah, ouais, mais j'avais oublié que hier j'avais de la fièvre et que, à mon avis, ma mère ne voudra pas que j'aille à l'école. Ouais, il faut absolument que je la convainque d'aller à l'école aujourd'hui. Alors les amis, vous l'avez vu, c'est exactement comme le jeu. Vous savez, où je dois avoir de la fièvre, je dois avoir super chaud pour pas aller à l'école, hein, pour convaincre mon père de pas aller à l'école. Et ben aujourd'hui, c'est l'inverse. Je vais devoir convaincre ma mère que je ne suis plus malade. Et vu que j'ai de la fièvre, il va falloir avoir très très froid pour que je puisse aller à l'école. Ok, bon, alors je vous présente ma chambre, voilà. Donc ça c'est mon lit triple XL king size géant, là. Là c'est mon ventilateur géant, d'accord. Maman, c'est bon, je me sens beaucoup mieux. Waouh, mais t'es tellement grande, maman, je peux aller à l'école? Je me sens vraiment mieux, hier j'étais malade, j'avais 3000 degrés de fièvre, mais là je vais bien. Non, je te dis que tu as de la fièvre. Mais maman, t'es sûr? Tu peux vérifier avec ton thermomètre, s'il te plaît? Laisse-moi vérifier ça. Oui, tu as 40 degrés de fièvre. Tu as beaucoup trop chaud. Tu restes à la maison aujourd'hui. Ah, faut absolument que je la convainque de me laisser aller à l'école. Je veux pas rater l'opportunité de rencontrer Ariana Grande quand même. Bon, on va ouvrir toutes les fenêtres. Ça va peut-être me refroidir un peu là. C'est 40 degrés, j'ai beaucoup trop chaud. Bon, on va ouvrir cette fenêtre là. Ah. Ensuite. Oh les chiottes. J'ai les chiottes rien que pour moi, tu vois. Pratique. Alors. Là on a quoi ici? Bah là le garage, la porte elle est grande ouverte, c'est bien. Oh, et les autres fenêtres. Hop là. Hop là, voilà, c'est bon. Ah, j'ai dû perdre quelques degrés là. Maman, est-ce que tu peux revérifier s'il te plaît? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu peux revérifier ma température? J'ai l'impression que je me sens beaucoup mieux là. Ton thermomètre doit être pété, je pense. Non, tu as 38 degrés. Je confirme, tu as trop chaud. Tu restes à la maison aujourd'hui. Il va falloir que je trouve des idées beaucoup plus intelligentes là. Peut-être éteindre les lumières. Oui, parce que les lumières ça réchauffe la pièce, donc forcément c'est pour ça que j'ai chaud. Regardez là, je perds des degrés. C'est quoi ça? C'est le radiateur. Il est en fusion quoi. Les lumières de ma chambre. Là c'est bon, ok. Il en reste encore 3 autres. Celui-là. Attends, comment ça éteint celui-là là? Voilà, nickel. Oh, le garage. La lumière du garage. Ouais. Elle est où l'interrupteur? Attends. Ah, voilà, t'es vachement haut. Ok, c'est bon. Là maintenant, je peux aller voir ma mère. Ah, c'est bon. Je me sens mieux. J'ai plus chaud, j'ai plus de fièvre, j'ai plus de température. Regarde. Tu peux te checker si tu veux. Laisse-moi vérifier. 34 degrés. Tu as encore de la fièvre. Ok, ok. Ça va être beaucoup plus dur que ce que j'imaginais. Je vais peut-être devoir éteindre. Les radiateurs, voilà. Donc c'était bien les radiateurs. Ils étaient à plus de 300 degrés. À droite, voilà, comme ça. Il me dit pas qu'il y a un radiateur dans le garage. Peut-être dans les chiottes. Ah ouais, non, il y a un radiateur dans le garage, quoi. Ok, le gros gâchis, quoi, la porte ouverte. Ok, là c'est bon. Là je pense que je me sens bien. Maman, c'est bon. Là, à mon avis, c'est obligé. Ton thermomètre, il est pété, hein, si jamais il capte mal le truc. Et alors? Alors, est-ce que tu peux me checker ma température? Tu peux voir si je vais mieux? 28 degrés, c'est encore un peu de la fièvre. Allez, va te reposer, mon fils. Oh, c'est pas possible, j'en peux plus. Oh, les ventilateurs. Oui, je devrais peut-être pouvoir les allumer. Ils tournent vraiment là ou ils... Faut peut-être changer les piles, là, non? Bon, c'est pas grave. Ça fait un ventilateur. Voilà, des ventilateurs. Je perds des degrés, regardez, c'est bon ça. Celui-là. Et celui-là. Ok, là, je me sens bien. Ah, après, je vais me mettre en slip hein, si j'ai trop chaud là. Eh, maman. Oui, 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 le thermomètre, je sais, je connais. Allez, attends, laisse-moi vérifier. Tu as 12 degrés. S'il te plaît, arrête un peu. Ah, c'est pas très bon. Bon, très bien. Je pense que là. Qu'est-ce que c'est? Le feu? Ah oui! Le feu de cheminée! Je vais l'éteindre. Un seau. Comment je l'éteins? Il va me falloir de l'eau. Peut-être là. Ah, voilà, c'est bon. Let's go. On va éteindre ce feu de cheminée là. Voilà. Non, attends, elle veut que j'ai une température de bonhomme de neige ou ça se passe comment? Je suis pas Mr. Freeze. Hein. Ok. Bon, maman. Ma chère maman. Je pense que là, tu peux remarquer que ma tête n'est plus chaude. Ok. Alors s'il te plaît maman, est-ce que tu peux me laisser aller à l'école aujourd'hui? Attends, je vérifie. Oh, c'est pas vrai. Tu as 6 degrés. Tu devrais prendre une douche froide, hein, c'est peut-être c'est mieux, non? Quoi? Ah, c'est une bonne idée ça! Mais oui, la douche froide! Attends, mais c'est un bain, tu veux que je prenne, non? Non, peut-être une douche, ok. Bon, la douche. La douche, c'est où? Attends, genre j'ai pas pas un truc là? Take a cold shower. Ah! Attends, peut-être...
là-dessus, je peux pas prendre une douche. Non, je peux pas toucher. Bon, en tout cas, on peut rien faire avec ça. Oh, les chiottes! Ils sont crates! Y'a personne qui a tiré la chasse, quoi. Bon, une douche, là. Y'a pas de douche? Attends, parce qu'une coach over, comment je pourrais faire pour prendre une douche, là? Attends, y'a quoi derrière? C'est quoi, ça? Oh! C'est quoi, ça? C'est un générateur? Y'a de la dynamite dessus? T'es pas sérieux? Oh! La piscine! Mais bien sûr! Je peux ouvrir les ventilations? Ah. On pourrait peut-être remplir la piscine aussi tout à l'heure. Ça, ça pourrait bien me rafraîchir, je pense hein. Prendre une douche froide. J'ai dû oublier une pièce, c'est pas possible. Me dis pas qu'il y avait une salle de bain. Maman, je cherche juste. Attends, c'est pourquoi? Pourquoi faire ça? C'est pour plus tard, je pense. Mais attends, mais avant de prendre ma douche, je vais peut-être d'abord, voilà, me changer. Là, j'ai déjà beaucoup moins chaud avec mon pyjama, enfin sans mon pyjama. Ok, maintenant, ah, la douche. Oh, de l'eau bien glacée. Bonne idée, maman, merci. Là, c'est froid. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Là, je suis bien, là. Alors là, je suis bien. Ok, maman. Là, je pense que là, j'ai vraiment plus de fièvre. Ok, laisse-moi vérifier. Oui, maman. Waouh, 0 degré. Mais pour ton âge, la température normale, c'est de moins de 1000 degrés. Quoi? Moins de 1000? Allez, péter les plombs, c'est pas possible. Ça se passe comment, là? Ok, bon, bah, je vais prendre mon petit déjeuner. Bon, très bien. Là, on a quoi, là? Rien dans le frigo, d'accord. Bon, bah, ça, je peux le prendre. Voilà. Ça, ça peut servir, ça, tu vois. Oh bah, attends, je bois de l'eau froide. Et ça, c'est quoi, ça? Oh, de la glace. La glace au petit déjeuner, très bonne idée, ça, pour un froid. Excellent. Hop là. Ok, j'ai mangé mon breakfast, enfin, mon petit déjeuner. Maintenant, est-ce que tu peux vérifier, s'il te plaît? Mais bien sûr. Moins 7 degrés. Ouais, c'est pas suffisant. Quoi? Attends, mais il est pas sérieux, c'est pas possible. Bon, très bien. Je vais... Oh, la ventilation. Je peux peut-être, justement, vu que je l'ai vu tout à l'heure, poser un bloc de glace dans cette ventilation. Faudrait-il encore en trouver un, hein? Place Ace. Il faut que je place de la glace. C'est quoi, ça? Un tube. Très bien. Donc, alors, il faut que je trouve un truc à mettre là-dedans. Regardez, là-dedans. Ouais, dans la ventilation. Ok. Est-ce que je peux y avoir accès de l'extérieur? Ça, j'ai l'impression que j'ai rien du tout. Y a pas de glaçons? Dans le frigo, peut-être, il y a des glaçons? Est-ce que je peux prendre des glaçons dans le frigo? Je peux pas prendre de glaçons, hein. Non. Ok. Oh, c'est quoi, ça? Attends, mais c'est pas un truc de glaçon? On est là. Peut-être que... Je sais pas à quoi ça me sert, mais ça va peut-être me servir plus tard, je pense. Hein. J'ai pris une assiette, on dirait. Ok. Eh, mais attendez, mais on dirait que j'ai pris un truc de glaçon. Si je mets de l'eau dessus, hop, et que je le mets au frigo. Oh, yes, c'est bon. Ça va geler. Et ça va donner des glaçons, excellent. Et là, du coup, regardez, il y a une espèce de ventilation ici. Oh. Ok, donc là c'est bon. Là ça va mettre de la méga clim là dans la maison. Maman, je pense que là, à mon avis, ton thermomètre. Oui, je sais, mon thermomètre, attends, laisse-moi vérifier. Moins 10. Bon, mon fils, maintenant tu sors de ma chambre. Ah, d'accord, ok, bah, ok, donc très bien. Ça n'a pas marché. Ok, je peux peut-être exploser. Attends, un caillou? Sur quoi? Dans le jardin? Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, attends, c'est quoi, ça? Ah, la ventilation, elle est là, d'accord. Je vais laisser fermer, hein. Oh, il y a des dynamites sur le truc de clim. Oh, oh. Ça va péter. Oh là là. On va faire péter le truc. Il n'y aura plus de chauffage, il n'y aura plus rien. De quoi tu parles? C'est quoi, le truc, là? Brûle. Ah oui, d'accord. J'avais pas briqué, j'ai demandé aux mèches de s'allumer toutes seules. Ok, bon, bah là, bien joué, les mèches. Merci, hein, vraiment. Oui, mais de rien. Ok, bon, allez, on y va. Là, je pense que... Là, la climatisation va bien marcher. Ok, bon. Alors. Ah, regardez, ça envoie de l'air frais dans la maison. Aucune logique. La température, s'il te plaît. D'accord. Tu as moins de 120. Allez, va te recoucher. Tu as encore un peu de fièvre. Tu es beaucoup pas assez froid. J'ai besoin d'avoir plus froid. Et pour ça, je vais remplir la piscine de nitrogène. Oui, parce que le nitrogène, c'est genre ultra froid, tu vois, regarde ça. Hop là. Ah, par contre, c'est méga lourd. Ils sont bourrés. Que c'était si lourd. Voilà, vous allez pas me croire, mais je galère un peu, là. Il faut que j'ai plus froid, comme ça. Si j'ai encore plus de froid, je pourrais aller à l'école. Ah, j'en peux plus, là. Là, je suis dans la piscine, normalement, là. Est-ce que je peux le mettre dedans? Attends, me dis pas que... Comment je mets ça dans la piscine? Ah, j'en peux vraiment plus, c'est beaucoup trop lourd. Oh, ah, c'est bon, je peux le déposer dans la piscine. Ah. Attention. Ça tombe dedans. Oh. De
vélo bien gelé. Wouh. Ah, nickel. Bah là, si j'ai pas moins 1000 degrés de température, je comprends pas. Ok, on va rediscuter avec maman là, on va négocier. Maman! Maman, s'il te plaît, est-ce que tu peux vérifier ma température? Non. S'il te plaît, maman, je dis... Ok, d'accord. Mon enfant, tu as moins 320 degrés. Mais c'est pas suffisant. Allez, va te coucher. C'est pas possible. Ok, bon, je devrais peut-être pouvoir trouver quelque chose sur le magasin à l'extérieur. Peut-être un... Attends, c'est marqué quoi? Ventilateur géant pour chill. Oh, mais c'est trop bien. Mais je vais demander... salut. Hey, salut. Tu veux avoir froid? Ouais, mais ça coûte combien? Bah, probablement des millions. D'accord, bah vas-y, bah envoie. Ok, mais je te le donne en express, comme ça tu l'as tout de suite. Oh, livraison express de ventilateur géant. Et c'est une éolienne? C'est pas possible. Oh non, nickel. Ah bah alors là, si j'ai pas froid avec ça, je comprends pas. Moins 125 degrés, ça a marqué. Oh bah alors là, là la maman, elle peut pas dire que j'ai froid. Hein. Que j'ai pas froid. Ok. Alors, est-ce que t'as pas l'impression d'avoir un peu plus froid? Laisse-moi voir ta température. Ok maman, allez vérifie. Tu me crois pas? Pas de soucis. Moins 1000 degrés? Mais tu... Tu as de la fièvre? Tu dois absolument rester. Oh, c'est pas possible, j'ai vraiment cru qu'elle allait dire que c'est bon, je pouvais y aller. Ok. Genre j'ai encore trop chaud quoi. Moins 1000 degrés, voilà quoi. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que... Pray? Oh, attends. S'il vous plaît! S'il vous plaît! Dieu des glaçons! Et des Mr. Freeze! Il est là le dieu des glaçons là ou il dort? Qu'est-ce que... Comment... Comment qu'on fait? Dieu des glaçons, réveille-toi! S'il te plaît! Réveille-toi! Mais qui c'est qui m'a interrompu dans mon sommeil? Oh, c'est pas possible, j'ai mis dormir tranquille. Désolé, je suis vraiment désolé. C'est moi en fait. C'est moi! J'ai... Mais qu'est-ce que tu veux, enfin? C'est vraiment urgent ou quoi? Oui, en fait, je voudrais que vous fassiez tomber de la neige, s'il vous plaît. C'est possible? Ça serait bien. Ah, ok. Oh, d'accord. Pas de soucis, Oh! Moins 300 degrés! Yes! Oh, bah là, on est bien. Oh, bah là, je suis bing. On va pouvoir se les geler un petit peu. Maman? Tu vas probablement pas me croire, mais je pense que... Oui, je sais, ok, laisse-moi vérifier ta température, blablabla. Moins 2020 degrés? Mais tu n'as donc plus de fièvre? Non, je déconne. C'est pas possible, je vais avoir besoin d'avoir encore plus froid! J'ai une idée. Je ne voulais pas en arriver là, les amis, mais je pense qu'on n'a pas le choix. On va anéantir le soleil. On va détruire le soleil. Et pour ça, il me faudrait une serviette. Attends, c'est bon, j'ai ce qu'il faut? Attention, je le fais pour Ariana Grande. Elle a besoin de moi, j'ai besoin d'elle, j'ai besoin de la rencontrer, attention! Je prépare le moulinet! J'ai besoin de plus de vitesse et surtout d'avoir encore plus moi pour aller la voir! J'ai réussi? La serviette géante pour couvrir le soleil! J'ai peut-être fait une bêtise là, non? Ça va valoir le coup. Ouais, ça va valoir le coup. Rien à regarder. Moins 100 000 degrés. Alors là, je te dis, je comprends pas. J'ai froid là. Tu as moins de 100 000 degrés. Bon, je pense que là, tu peux retourner à l'école, j'imagine. Super. Merci, maman. Ok, je vais pouvoir aller à l'école. Et le bus est là. Yes. Ah, c'est moi en joker là devant ou... Ok. Oh! Et je peux aller à l'école! J'ai la bonne fin peut-être. Je vais rencontrer Ariana Grande. Je m'en fous. Au moins je suis content. Et voilà! Coûte que coûte, j'ai réussi à la rencontrer. Même si, bon, j'ai plongé l'humanité dans le... Voilà, dans l'hiver infernal, quoi. Dans le glaçon, quoi. Tout le monde est gelé. Tout le monde est mort gelé. Mais au moins, j'ai rencontré Ariana Grande. Et ça, c'est bon, ça. Ok, les amis, maintenant qu'on a débloqué la bonne fin,
C'est l'heure de débloquer la mauvaise fin secrète. Ok, bon, maintenant, vous allez voir, je vais vous montrer comment obtenir justement, les amis, cette mauvaise fin secrète. Ok, vous allez pouvoir obtenir le badge et vous allez pouvoir vous la péter. Alors là, vous allez voir, je vais aller super vite. Voilà, comme ça. Maman, on va aller à la température, s'il te plaît. Ok, très bien. Donc là, on va ouvrir toutes les fenêtres. On va aller le plus vite possible. Donc je vous rappelle, il y a une fenêtre dans la chambre. Ensuite, il y a deux fenêtres qui sont dans le salon directement. Pas besoin d'aller au garage pour le moment. Voilà, comme ça. Ensuite, on va aller discuter avec la maman. Hop. Ah ouais, c'est bon, regarde, regarde, regarde. Ok, nickel. Donc là, vérifie. Ok, c'est bon. Là, maintenant, on va éteindre toutes les lumières. Bah, il y a... Oui, il y a les deux ici. Voilà, il y avait aussi celle dans le salon, dans le garage. Voilà, ça c'est bon, dans la salle de bain. Il y en a pas, mais je vérifie quand même. Ensuite, il y a celle-là. Celle-là. Et ensuite, la dernière, celle du garage. Donc deux dans le salon, une dans le garage aussi. Hein. Voilà, très importante. Ok, ensuite, on va rediscuter avec notre mère. Bah, 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 la température, s'il te plaît. Ah ouais, ouais, je sais, ok, très bien. Ensuite, on va éteindre les radiateurs. Voilà, hop, donc il y en a un ici. Il y en a un ici. Ensuite, on va aller dans le salon, à droite. Et il y en a un, je vous rappelle, à côté de la porte de sortie, la grande porte du garage. Voilà, comme ça, hop, et on va pouvoir aller parler justement à notre mère. Allez, ça c'est bon. Allez mon pote, do it. Voilà, c'est bon, ensuite, on va allumer les ventilateurs. C'est pas encore l'étape du grand, mais on y est presque, hein. Ok, il y en a deux ici, deux dans le salon. Donc une dans la chambre, enfin dans les deux chambres du coup. Ok. Regardez, je vais tellement vite, la chance speedrun. Ok, ça c'est bon, voilà. Ensuite, on va devoir prendre un seau d'eau, le remplir. Ah oui, c'est vrai qu'il a le seau. Je confonds, et on dirait vraiment les deux mêmes quoi. C'est un pot de chambre ou c'est un seau? Ensuite, voilà, hop, ça, on va le remplir avec le robinet eau. On va mettre ça sur le feu pour l'éteindre. On va reparler à la mama. Voilà, vérifier la température, on a toujours beaucoup trop chaud. Ensuite, on va prendre... Alors, pour la douche, ça c'était pas évident. Faut prendre... Faut déjà se mettre en vêtements classiques. Faut s'habiller quoi, voilà. Ensuite, hop, blablabla, je me les gèle dans la baignoire. En plus, c'est bien, ils disent même pas de changer de vêtements, quoi. Ah si, c'était marqué Undress, c'est vrai. J'avais pas vu. Ok, donc là, autant pour moi. Ensuite, on va parler à maman. Mais c'est vrai qu'ils te disent de prendre une douche et pas un bain. Donc voilà. Ensuite, on va prendre le petit déjeuner. Là, justement, on reprend ce petit bol. On le remplit dedans. On le... Bah, on le boit, hein, tout simplement. Et on mange la glace. Voilà. Hop, on a été si vite à la gober. Laisse tomber le mal de tête si tu prends une glace comme ça. Jamais la mange aussi vite dans la vraie vie. Hein. Donc là, on va avoir besoin de prendre le fameux petit paquet. Voilà. De glaçons qu'on remplit d'eau, qu'on met dans le frigo. Qu'on récupère. Voilà, une fois congelé, on va mettre ça dans l'aération, le conduit. On va parler à maman. Là, elle va penser qu'on a encore trop chaud. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement... Attends, on peut pas sortir par la fenêtre. Oh, le gain de temps. On peut sortir par la fenêtre. Voilà, on fait péter la dynamite. Donc là, la dynamite, il va dire... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux, mon gars? Qu'est-ce que tu veux, gamin? Tu peux... Attends, mais tu parles. Mais tu veux... Oui, bah alors. Bah, brûle. Dans ce cas-là, hop là. Voilà, vu qu'on a pas briqué, hein. Voilà, on va repasser par, par ma chambre. Ah, je peux pas passer. Ah si, en grimpant sur le muret. Oh, je peux. Pour aller plus vite pour parler à maman. Voilà, comme ça. Ok. Ensuite, on va aller prendre... Oh non, ça c'est le pire, ça. Ça c'est le pire. Ah ouais, et en plus, tu peux pas aller beaucoup plus vite que ça. T'as beau sauter, ça change rien. Ah ouais, là, ça c'est la... Là, c'est la souffrance, là. On le voit. On le voit sur ma tête. Cette bouteille, il l'avait déjà fait dans le jeu Roblox où il fallait avoir plus chaud. Et là, ils ont fait la même dans celui du froid. Oh là là, ok, ok. Allez, allez, allez. Et là, faut aller sur le côté gauche de la piscine, n'oubliez pas. Parce que vous pouvez pas mettre n'importe où. Et là, je suis même pas sûr qu'il y ait besoin d'aller dans la piscine. Hein. Mais dans le doute, regardez, hop, tu peux le faire même dans la cinématique. Hein. Voilà. Hop. Oh, mais attends, mais je cours super vite. Voilà, je vais rattraper par la chambre, ce sera plus rapide. Hop là, nickel. Là, je peux aller parler à maman. Maman! J'ai froid. Regarde ça, tu me crois ou quoi là? Non. Ok, bon, très bien. Et là, je vais aller voir le magasin. La porte très pratique, hein. Attends, mais pourtant, là, t'as vu la brume et tout. Et on va aller acheter le ventilo géant. Alors là, on peut pas accélérer la vitesse de discussion. Il n'y a pas le bouton pour pouvoir passer les dialogues. Donc, on va laisser le copain avec sa casserole sur la tronche nous livrer notre énorme ventilateur. Attention. Imagine, il serait tombé au milieu de la maison. C'est peut-être une fin, ça. Oh, j'ai vraiment cru. Hein. Parce qu'il y a plusieurs fins possibles hein, dans ce genre de jeu. Voilà, ok. Donc là, on va aller parler à maman. Allez, 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 vite, 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 vite. Allez, là, on a été tellement vite. Hop là. Oubliez pas de cliquer en bas à droite, les amis, hein, sur la flèche pour passer les dialogues. Et là, on va aller prier le dieu pour pouvoir juste. Enfin, tous les dieux pour pouvoir. Oh, j'ai bugué le truc.
Voilà, pour avoir la neige. Merci, ce serait bien que ça marche comme ça la vraie vie, hein. S'il te plaît, je peux avoir du soleil aujourd'hui, merci. Ok, donc là on va parler à maman. Attention, est-ce que c'est bon? D'ailleurs, il y a un shop, ça, quoi. C'est pour avoir deux fois plus de froid. Ah, mais ça impacte pas le gameplay. Et après, un truc, elle passe, c'est pour savoir où cliquer. Au cas où t'es perdu, d'accord. Ok, donc là, attention à la température, on a moins de 20. Et là, justement, on va devoir faire la dernière étape. Même les arbres, ils sont gelés, s'il te plaît. C'est-à-dire jeter la serviette. Attention. Allez, là, pour Ariana Grande. On fait pour Ariana Grande, allez. Préparez-vous le moulinet, le moulinier. Pour balancer la serviette le plus possible. Eh, hey, soleil, là, t'es pas prêt, mon pote. Tiens, t'as besoin d'une serviette. Et hop là. Boum. Ouais, on va condamner l'humanité, là. Wouah, la serviette commence à agrandir dans l'espace. Ok. Et donc là, les amis, c'est là. Restez bien jusqu'à la fin qu'on va obtenir la fin secrète de Need More Cold. Voilà, donc là, on va aller par la maman. Ça, vous connaissez, hein, bien sûr. Très bien, hein, regardez. Donc là, attention, très important, ne faites pas d'erreur. Donc là, on dit à notre maman, on a très froid. En même temps, il fait moins 120 000 degrés. Donc elle nous dit, c'est bon, tu peux aller à l'école. Donc on se dit, super. Mais là, les amis, là, tu te dis, normalement, tu vas à l'école au bus. Mais on ne va pas aller au bus. Regardez le bus, là, on lui dit, salut, allez hop, coucou, au revoir. Voilà, on s'en va. Et on va aller reparler à maman, en fait. Et là, attention, je ne sais pas ce qui se passe. Ok, tu sais, maman, je préfère rester à la maison avec toi, finalement. Oh, c'est vrai, mon fils? Ouais. Oh, mon fils, j'ai attendu ça depuis si longtemps, tu sais. Ah ouais, c'est vrai? Oui, je suis en fait ton père. Hein? Quoi? Mais comment ça? What? Oh, mais non! Mais c'était notre père de... J'ai besoin d'avoir plus chaud, mais il s'est déguisé. Non! Le pire. Et du coup, on obtient... Ah, bah la terre est gelée, mais la mauvaise fin secrète. Il nous a joué un de ses tours, et bah voilà les amis, bah écoutez. Oh, mais c'est quoi ce plot twist? Plot twist, quoi. Vraiment le père de l'autre jeu Roblox qui a squatté le jeu. En fait, c'était lui, il a mis une perruque et tout. Incroyable. Franchement, j'ai cru. Voilà. En tout cas, les amis, j'espère que ce jeu vous a extrêmement plu. Il était tellement cool. J'ai hâte de voir un de ces quatre ce qu'ils vont nous faire. Hein. Avoir besoin de vent, avoir besoin de manger, hein, tu vois. Parce que bon, là, après avoir besoin d'avoir chaud ou froid, sûr et certain, ils vont avoir un nouveau truc. Genre, j'ai besoin de manger. En tout cas, les amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que j'essaye de faire toutes les fins de Need More Cold. Et surtout pour ça, je vais vous demander de mettre 10 000 pouces bleus sur cette vidéo, de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la cloche. Et on fera du coup la nouvelle fin secrète de Need More Cold. En tout cas, merci beaucoup les amis, c'était votre deuxième part. Et on se dit du coup à très bientôt. Attention, hein, à pas avoir trop froid, hein. Allez, salut les amis.